Allez, salut, 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 voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de vous aider, voilà, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Lorsque j'ai le temps, je peux le faire, voilà, donc c'est pas un problème. Maintenant, pour ceux qui m'envoient des messages en ce qui concerne pour me dire de faire des vidéos, sachez que c'est pas facile, voilà, c'est pas du tout facile parce que il faut assez de temps et puis voilà, avec tout ce que nous on fait, on essaie de tout faire pour vous aider, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va aller un peu plus vite aujourd'hui. Je suis là juste pour vous informer d'une bourse qui est la bourse de l'Irlande. Voilà. Donc la bourse de l'Irlande, j'ai reçu les informations. Alors j'aimerais que vous postuliez. Donc pour pouvoir postuler, aujourd'hui c'est spécialement pour les licences. Donc ceux du Masters, vraiment je suis un peu désolé, mais la date est déjà passée. Je n'ai pas vite reçu les informations. Donc c'est pour ceux qui vont faire la licence. Voilà. Donc pour pouvoir faire la licence, c'est très simple. Pour la bourse de l'Irlande, c'est pas un problème. Vous devez juste fixer l'université, bon, le college Trinity, voilà. Donc de là-bas, vous allez, bon, je sais pas comment est-ce que vous allez faire, si vous allez me contacter ou pas, mais je vais mettre le lien en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir vous-même aller voir et puis voilà, si vous pouvez postuler, vous allez le faire. Mais je vais faire un petit résumé pour vous, pour que vous sachiez un peu comment ça va se passer. C'est vrai que je vais essayer de postuler ici et que vous allez voir, mais je vais essayer de faire un petit résumé, comme ça vous allez savoir dans quel sens vous allez. Voilà. Pour la bourse de Trinity, pour la bourse d'Irlande, il y a plusieurs types de bourses, mais je vais prendre la bourse de l'Irlande pour vous expliquer. Voilà. Pour la bourse de l'Irlande, vous devez d'abord avoir une note admission dans une université de l'Irlande, dans une autre matière, vous comprenez, voilà. Et quand je dis université de l'Irlande, c'est pas n'importe quelle université, mais c'est le College Trinity. Donc lorsque vous allez sur le site, vous allez d'abord choisir votre filière, votre faculté. Quand vous allez choisir votre faculté, vous allez contacter, je vous explique. Donc essayez de suivre un peu, parce que c'est pas facile. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui nous contactent pour qu'on puisse postuler pour elles. Donc, si vous êtes dans le même cas, voici le numéro qui passe là. Vous pouvez regarder ce numéro et puis voilà, nous écrire en inbox. C'est un numéro WhatsApp, donc il n'y a pas de problème. Donc, je reprends. Pour pouvoir utiliser la bourse de l'Irlande, comment ça se passe? Vous allez d'abord choisir votre filière sur le College Trinity. Voilà, donc quand vous allez prendre le College Trinity, il y aura des filières là-bas. Vous mettez votre filière, si c'est mathématiques, si c'est physique chimie que vous voulez, vous prenez physique chimie et vous défilez dans physique chimie. Vous allez voir, il y aura une spécialité, vous prenez la spécialité. Bon, ça c'était pour les masters, mais les masters c'est déjà pour c'était le 26 mars, désolé, mais je n'ai pas vite reçu les informations. Donc pour les licences, vous avez jusqu'au 17 avril, excusez-moi si je... Voilà, pour les licences, vous avez jusqu'au 17 avril. Aujourd'hui est le 6, vous savez que vous avez encore 11 jours à pouvoir postuler. Donc vous devez faire un peu plus vite pour ne pas être en retard. Donc comment ça se passe? Lorsque vous allez finir de sélectionner votre filière, si je prends par exemple mathématiques, voilà, vous allez écrire au département de mathématiques qui est dans le College Trinity. Quand vous allez écrire au département de mathématiques, ils vous diront quels sont les dossiers que vous devez leur envoyer. Et vous, si vous devez leur envoyer le diplôme de baccalauréat, ça c'est sûr, le passeport ou bien un truc comme ça, ils vont vous dire. Et lorsqu'ils vous disent cela, ils vont vous dire les conditions pour pouvoir l'avoir. Voilà. Donc, par rapport aux conditions, si vous dites les conditions et que vous leur envoyez ce qu'ils veulent, ils vont vous envoyer une lettre d'admission. Vous comprenez? Voilà. Donc, une fois qu'ils vous envoient une lettre d'admission, ça veut dire que si vous l'acceptez, ça veut dire que dorénavant, vous faites partie de l'université Trinity en Irlande. Vous comprenez? Voilà. Et après cela, vous pouvez maintenant poursuivre pour pouvoir postuler à la bourse. C'est-à-dire c'est direct, c'est direct. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des cours, d'avoir une bonne moyenne d'abord avant de pouvoir postuler. Non, c'est pas comme ça. Une fois que vous avez, je répète, une fois que vous avez l'admission dans cette université, voilà, vous allez sur le site, vous pouvez postuler directement à la bourse, vous comprenez, à la bourse de l'Irlande. Et parce que pour postuler à la bourse de l'Irlande, il faut montrer la lettre d'admission que vous avez reçue du collège Trinity. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, vous allez maintenant postuler avec cette bourse.
Mais pour postuler avec la bourse, vous allez d'abord vous inscrire sur le site, comme d'habitude. On a déjà fait cela avec, je crois, la Turquie, on a fait cela avec la Chine. Toutes les bourses maintenant, vous devez d'abord vous inscrire sur le site avant de pouvoir postuler. Ils doivent d'abord vous enregistrer. J'espère que vous comprenez. Donc, on récapitule. Vous allez choisir votre filière. Et lorsque vous finissez de choisir la filière, vous allez entrer sur le site de la filière, du département. Si vous avez choisi physique-chimie, vous allez entrer sur le site de physique-chimie. Vous allez leur contacter et ils vont vous dire quelles sont les procédures d'admission pour avoir une lettre d'admission dans l'université. Ils vont vous donner la lettre d'admission et vous prenez cette lettre d'admission, vous retenez sur le site pour pouvoir postuler à la bourse directe dans ce département. J'espère que vous comprenez. C'est une bourse qui est très très sûre. Donc, vous avez jusqu'au 17 avril pour pouvoir postuler. Et une fois que maintenant vous pouvez postuler à cette bourse, vous allez d'abord vous inscrire sur le site et remettre les documents qu'ils vont vous demander sur le site, y compris le document de la lettre d'invitation. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc c'était un peu ça. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ne voient rien, qui ne maîtrisent pas, voici le lien qui est là, voici notre numéro qui est là. Vous pouvez nous contacter, inbox, WhatsApp, et puis voilà, et on verra comment s'arranger. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est toujours moi du Sam Hospital, et je suis toujours là pour vous, seulement que c'est très compressé, voilà, avec tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit, on doit mettre, voilà. Maintenant, je voulais rappeler quelque chose, voilà. Je voulais rappeler quelque chose. Pour ceux qui postulent au bourse, je vous dis et je répète, je ne réponds pas aux questionnaires qui viennent d'une autre bourse. Si vous voyez que je mets ces bourses en ligne, ça veut dire que j'ai toutes les informations sur ces bourses et j'ai toutes les techniques pour pouvoir postuler à cette bourse. Voilà. Donc ceux qui m'envoient des informations sur d'autres bourses, sur d'autres plateformes de diffusion, je n'ai pas ces informations, donc je ne peux pas vous donner de fausses informations. Voilà. Et puis, postulez les bourses où vous postulez et puis on vous dit d'envoyer l'argent, d'envoyer de l'argent ou je ne sais pas, au Bénin ou au Togo, je ne sais pas. Lorsque vous regardez sur le site ici, lorsque vous regardez sur ma chaîne YouTube ici, les bourses que vous voyez, vous postulez directement, si vous avez bien remarqué, vous postulez directement sur les applications. Je ne demande pas à quelqu'un d'envoyer de l'argent au Bénin ou au Togo. Si vous devez postuler à une bourse qui se trouve aux États-Unis et qu'on vous demande d'envoyer de l'argent au Togo ou au Bénin, c'est à vous maintenant de savoir comment ça se passe. C'est à vous maintenant de pouvoir réfléchir pour voir comment ça se passe. Vous comprenez? Donc ne venez pas dans mon inbox alors que je ne vous ai pas dit de postuler à une telle bourse et une telle bourse et puis venir m'expliquer des problèmes. Non, je ne veux pas que vous m'expliquiez des problèmes. Moi, je vous dis, postulez à la bourse que je mets en ligne. Parce que c'est très important postuler à ces bourses, parce que ces bourses, je vérifie d'abord l'authenticité, je vérifie la véracité de ces bourses avant de mettre en ligne. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était toujours moi, c'est mon hôpital. N'oubliez pas, nous faisons le coaching. Si vous ne comprenez pas, on fait le coaching. Donc contactez-nous, une boss, et puis on vous explique comment ça se passe. Voilà. Les informations, on ne peut pas tout les relever ici, parce que sinon les vidéos seront tellement longues. Donc c'est un peu ça. Alors, merci, c'était moi, et puis à plus.